السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نقول يا سورة كاتوز سورة إبراهيم آية 34 jusqu'à 41. سورة إبراهيم 34 jusqu'à 41 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد premier point pour aujourd'hui, c'est ce qui nous lie là, c'est Surah 14, Surah Ibrahim, alayhi salam, ayat numéro 35, ayat numéro
35 jusqu'à ayat numéro 41. Ayat numéro 35 jusqu'à ayat numéro 41. Qui fait nous finir ça en ayat d'abord. Là-dedans, les related tout nous laissons. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans surah 16, surah An-Nahl, verset 123. Allah subhanahu wa ta'ala li pedia concernant Ibrahim alayhi salam thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala pedia avec Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira thumma awhayna ilayk, ensuite nous fin inspire via toi, nous fin révèle via toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an ittabi' millata Ibrahim hanifa, qui te suive millat de Ibrahim alayhi salam. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ n'est pas type parmi man qui fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors, dans sa ayat qui nous finit là, dans surah Ibrahim, qui nous fait lire là, 14, là-dedans, il y a raison qui fait que nous puissions apprendre sa leçon pendant 27 jours. Là-dedans, Ibrahim alayhi salam, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, quand Ibrahim dit Rabbi al hadha al balad aminan, ou Allah, fais ça l'endroit là, une place de paix, de tranquillité, aminan, qui a sécurité là-dedans. Ensuite, il dit wajnubni wa baniya an na'bud al asnam, et épargne-moi et mes descendants, mes enfants, afin qu'ils ne pas faire ibadat pour ban idole. Et dans sa même passe là, il vient montrer qu'il comment Allah subhanahu wa ta'ala répond ce doua quand il demande doua pour les gains héritier Ibrahim alayhi salam pour les gains enfants. Alors, l'inrimiach Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Rabbi la sami'u du'a, qui mon Rab, il écoute nous ban du'a, il répond nous ban du'a. Ensuite, l'inrimiach du'a encore, il dit Rabbi j'alni muqim as-salat, ou Allah fait moi, c'est lui qui établit la salat, moi établi. Ibrahim peut demander du'a avec Allah, qui fait, c'est lui qui lui fait muqim, il y a un muqim, il établit la salat, wa min dhurriyati et mon descendance, mon ban enfants. Rabbana wa taqabbal du'a. Alors, des tracas qu'Ibrahim alayhi salam a gagné dans sa petit extrait qui nous finit lire dans Surah Ibrahim alayhi salam, ayat numéro 35 jusqu'à ayat 41, qui en l'ingé tracas, il demande à Allah du'a qui Allah épanouit lui et son enfant qui ne se pas ado idole. Un tracas ça. Il y a un tracas. Qui fait nous besoin gagner cette traque là? Qui fait nous besoin gagner cette traque là? Nous musulmans, nous n'y dans la carrière musulmane, qui fait nous besoin gagner cette traque là? Parce qu'il y a l'histoire insan, ils ont été musulmans, ils ont ados, ils ont établi ibadet pour un autre apport d'Allah. Dans l'histoire de Adam alayhi salam, et nous, alayhi salam, nous venons trouver. C'est parce qu'il y a un petit enfant d'Ismaïl alayhi salam, et une tribu arabe qui est autour du Kaaba, quand ils ont pâti une idole parmi eux, dans une ibadet, ils ont fini adopter ibadet pour les autres divinité apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous begayons traka, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala toi qui nous protège nous et nos descendants qui nous pas ado et l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas établir ibadat pour l'autre apporte Allah, nous pas demander doua avec un l'autre apporte Allah, nous pas demander doua et l'autre ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, tout cela nous finit guetter pendant nos manissons. Là à partir d'aujourd'hui inchallah, moi pas connu combien de jours il peut prendre avec moi, nous pouvons comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sunna, c'est-à-dire dans son explication, son enseignement, son ta'lim, son irshadat, son guidance qui vient de nous, son instruction qui vient de nous, comment il montre nous pour nous prendre précaution, il montre nous valer, pas faire shirk, il montre nous danger si nous tombons dans shirk, et il vient de nous ban steps qui vient de nous ban procédure. Il finit de nous une procédure afin qu'il quoi? Afin qu'il ne pas tombe dans le shirk. Et ça va dans le hadith là, à partir d'aujourd'hui, là, à cause d'une désapparition. D'une désapparition dans mon explication. Il finit désapparition dans mon explication. Mais ici, vu qu'il dit, nous recommence une précaution dans le sunnah du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors capable de pointer
Première leçon, du point de vue répétitif, de man hadith qui nous les attendait pendant explication de man ayat Coran. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Alors là, ici, nous pouvons lire dans hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam il ferme tout man la porte qui man pièce qui shaitan capable de servir pour les égards enfants Adam, nous, pour les égards man Ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se tomber dans pied shirk. Clair, hein? Allez, hadith numéro 1. Bien souvent, quand il y a moi dire un statement qui si réfutation dans le monde, si salam tout le barakatou. Si réfutation, tu peux rectifier l'essence. Tu peux résoudre ban conflit qui est là. Le ban base conceptionnelle, le akida. Mais aujourd'hui, nous pas tu peux arriver jusqu'à là. By the fruits, you know the tree. Par les fruits, nous connaissons l'arbre. Oui, non. Alors, aujourd'hui, quand nous pouvons trouver ban vidéo qui est un peut faire sijda de l'autre jimoun. Ban vidéo en jimoun peut faire sijda kot kabar. Ban jimoun peut faire tawaf autour en kabar. Ça, qui l'éducation, qui ta'alim, qui zon gagné, pour zon arrive à l'extrême là. Qui ta'alim zon donné? Qui ta'alim zon gagné, pour zon arrive à l'extrême là. Moi, personnellement, moi, désir faire des tours dans le Pakistan. Deux fois, moi, dans le Pakistan. Dans Lahore, moi, désir aller. En mosley, en darga, nangé baba. Pire la restouni. Moi, disant, allez, en l'autre place, ghore baba. Moi, mon avec mon propre, j'ai mon trouvé. Et ce qui vous tendez, ce qui peut passer là, si vous racontez là, ben, je vous dis, vous pouvez exagérer, alors, vous ne pouvez pas causer. Alors, en zou, j'ai dit, il y a le Pakistan, il y a dans Lahore, il y a IT University, et en chemin, là-bas, il y a plusieurs darga. Qui ban djimoun wali Allah in enterré. Là, ce qui nous vous dit là, alors il enterre ban wali Allah, ce qui ou trouve avec ou l'ici ou pas pour croire. Vous ne pouvez pas raconter ici. Alors, les cinq jours, quand ils voyagent, ils disent, vous êtes dans la camarade, avant, ils vérifient ce qu'ils m'ont dit. Qui l'éducation? Qui t'arrive, il arrive là-bas? Quand ça fruit là, paraît, je tout ne dis pas nous ça. Nous pas dire ça, nous. Nous ne pas dire ça. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous alim pas dire ça. Je tout ne peux dire ça. Comment ça fruit l'apparaît, sa qualité action qui, tout Jimoun, gagne un dégoût avec ça l'apparaît dans le public, surtout à travers les social media aujourd'hui, nous trouvons un Jimoun peut faire zikar, peut sauter, peut piler, peut danser, n'est que moi, c'est un petit peu de la musique là-dedans. Comment nous trouvons un autre Jimoun, il peut être devant Kabar, il peut faire Sisda, un autre il peut être devant un Jimoun vivant, il peut faire Sisda devant lui, comment ça apparaît? Majorité du monde est sorti, ça pas nous ça. Nous pas dire faire ça nous. Nous pas faire ça nous. Nous pas dire ça nous. Alim pas dire ça. Mais nous dire ça nous. Nous maslak dire ça nous. Nous madhab dire ça. Mais qui l'éducation amène ça du monde jusqu'à là-bas? Qui prend les steps qui Shaitan il fait nous prend nous insan dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui pourtant ça commence les hadiths qui est dans la vie Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui vient enseigner nous, mais pourtant au matin il arrive là-bas. Qui n'arrive ça? Qui vient arrive ça? C'est analysé. Ben savant, bizarre, c'est analysé. Qui nous peut montrer du monde? Qui nous peut montrer du monde pour arriver ça? Hier, c'est pas à mentir, moi, j'ai une vidéo. Un savant, un alim de Maurice, un maulana de Maurice, lui peut montrer qu'Ibn Hibban, il y a un alim hadith, à chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a un code kabar. Al-Moussa bin Ali, un parmi mes descendants, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un petit enfant Ali, de ce l'époque, alors il ne peut pas dire avec Allah là-bas, c'est moi. Il ne peut pas dire avec idole là. Il ne peut pas faire Tawassoul. Tawassoul veut dire, oh Allah, à travers Ali bin Moussa, éloigne mon problème. Ça appelle ça Tawassoul. Qui appelle Tawassoul, oh Allah, à travers Ali bin Moussa, ça, soi-disant, pue là, ça pue là. Il y a une pieuse, il peut une pieuse, ça n'est pas mon problème. Moi, mon problème là, l'enseignement qui s'emballe, il y a une vignette dans Maurice, qui lui donne la masse, qui aille là, il me permet une preuve, dans Ibn Hibban, qui sahi Ibn Hibban, un alim hadith, l'inal, que chaque fois que tu peux avoir un problème, get ça l'enseignement bien là. Moi, qui m'a besoin de rentrer dans la guerre, si pas Ibn Hibban, pas une fierie, l'infierie, si l'infierie, ça veut dire nous besoin de fierie, moi, pour vous poser cette question là, moi. Est-ce que quand Ibn Hibban, est-ce qu'il nous peut dire Ibn Hibban, Jahil là, mon Dieu, ça?
Et ce que mon Dieu Ibn Hibban, plus pas qu'on dit qui nous pas dire ça nous. Nous pouvons dire ça l'enseignement là. Un enseignement qui peut dire qu'Ibn Hibban est livré tout hadith là authentique, affaire là dit authentique, qu'Ibn Hibban, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a le code Kabar Ali ibn Moussa. Et chaque fois ce problème, tu peux résoudre. Alors, qui ne voulait pas dire ça? Qui ne voulait pas dire? Nous voulons dire tout le monde, qu'on parle tout côté de la main du monde, puis, par contre, comment pour qu'on ça? Par contre, il y en a qui vous donne ça, certificat de purification de Njimoun, quand le Coran dit, Hua a'lamu biman ittaqa, et pour Njimoun, il y a un Njimoun pur que Allah subhanahu wa ta'ala, faudrait qu'il y ait un muttaqi, il y a un taqwa, et muttaqi, c'est Allah qui connaît ça, c'est pas par l'apparence. Alors, quand, si arrivé nous le récit découvert, qui est un Njimoun pur, alors, ça l'enseignement, là, peut dire, nous tout, comment nous avons un problème, nous prenons le ton là-bas. Ça veut dire qu'il permet ici sa action là. Parce qu'Ibn Hibban fait ça. Ça l'enseignement là. Ensuite, quand il dit, parce qu'Ibn Hibban est un alim hadith, il est là-bas, il demande si c'est avec Allah. Ni l'India, oh Allah, par l'intermédiaire Ali bin Moussa, il ne dit pas ça. Ça veut dire sa preuve, qui s'est dit, il peut servir pour montrer la permissibilité à côté d'un pieux, pas prophète ça aussi, côté d'un pieux, demande Allah direct sa preuve, là, montrer qu'Ibn Hibban n'est pas fait à Wassoul. Avec ça, Wali là. N'y pas de faire ça. N'y pas de dire, oh Allah, à travers Ali bin Moussa, à cause Ali bin Moussa, par sadqa Ali bin Moussa, donne-moi ce résumé. N'y pas de faire ça. Ni l'India, ya Ali bin Moussa, al-Madad. Ça veut dire, nous pouvons ici là, je vais vous montrer comment travail qui nous, dans nos ummat. Je connais, je vais vous dire, moi, je suis un qui travaille pour ummat. Je ne suis pas un madhab. Nous ne travaillons pas pour madhab. Nous souffrance quand nos ummat tombent dans le pied. Ça nous souffrance. Un savant divinité qui a envie de prouver ton madhab, ton école de pensée, ça l'enseignement là, tu viens de mettre en public, qui est Ibn Hibban, tu peux aller au Kabbal pour dire, je m'en dois avec Allah. Mais dans sa preuve là, il y a une preuve contre toi. Il n'y a pas de faire aussi là, il n'y a pas de m'en dois avec Ali bin Moussa. C'est là qu'il nous peut faire là. Dieu tout le monde, pas qu'un droit de dire Al-Madad, Ali bin Moussa. Parce qu'Ibn Hibban, pas dire Al-Madad, il y a Ali bin Moussa. Ibn Hibban, panja inni atawassu ilayka ya Rabbi bi Ali bin Moussa. Vous pouvez faire tawassul vers toi, à travers Ali bin Moussa. Il ne fait pas ça, il dit, avec Allah. Mais enseigne ça. Dieu m'a dit, pas besoin de faire tawassul. Là, nous parlons d'une autre place, comment dire, là, nous réciprouvons à l'autre kabar de mandoua avec Allah. Là, nous parlons d'une autre place, un autre savant, qui lit l'India inni atawassal. Là, nous parlons d'une autre preuve, qui est l'autre de l'India Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fastasri li ummatik. Demande. Il a causé le prophète après ce wafatou. Ça, c'est façon qui nous paie en Saint-Dine. Ça, c'est façon qui a dit Oumad Mohamed Sassanam. Quand demain, il a fait Sijda contre Kabar, il dit, moi, pas tu fais Sijda, moi. Moi, mon Ziz dit Ibn Hibban, tu peux aller demander droit avec Allah contre Kabar Ali bin Moussa. Ça, c'est l'enseignement. Et sa qualité réponse, moi, on ne va pas le faire révitation, ça, moi, là, moi. C'est même montrer la masse. Bon, vous montrez nous Oumad, parce que nous souffrons, c'est nous Oumad. Ben, dis qui peut apprendre sa qualité d'éducation là, je te connais qui je te peux faire, je te connais qui je te peux défendre, je te connais qui je t'ai envie d'implanter dans du monde. Ça appelle ça, montrer du monde comment t'as avec Allah. Mon pose une question, la masse mauricienne, moi, je te frère, ça va nous poser une question. Est-ce que ça, c'est l'enseignement, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui montre du monde quand, dis mes autres problème, elle dit bout de côté kabar, dis pieux, ou ça, un nabi, demande-toi avec Allah. Ça, c'est l'enseignement, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Moi, dans autre l'enseignement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hadith dans Abu Daoud. Premier hadith de Abu Daoud. L'homme au pape cause gagne un droit fait à Rasoul par un droit fait à Rasoul. Là. Ça point qui m'a expliqué, prend depuis mon commence, explique Ibn Hibban jusqu'à ici. Mon pape explique fait à Rasoul gagne un droit par un droit. Pape cause ça, ma salle. Ça qui m'a pape causé, quand Azoudi. Je vous ai fait ce rappel de titre que je vous ai numéro 1, je vous ai dit Coran de Ibrahim alayhi salam. Qui traque à l'ingéni? C'est pour ça qu'il nous suit, nous avons cette traque là. D'ailleurs, Allah donne nous, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre Millet Ibrahim alayhi salam. Moi, envie, un dimoun, en place de faire RCS, de montrer Ibn Hibban, puis al code Kabar pour demander. Explique-nous, dit Millet Ibrahim alayhi salam, qui était ça, Millet Ibrahim alayhi salam. Qui était Millet Ibrahim? Dimoun, enseigne Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah donne l'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa awhayna ilayka nufin révèle vers toi an ittabi' millat Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin qui suivent din de Ibrahim alayhi salam millat qui est des millat Ibrahim alayhi salam là alors on donne deux l'exemple dans millat Ibrahim alayhi salam deux l'exemple dans sourah Ibrahim alayhi salam rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam oh Allah épargne-moi et mon ban
abna mes enfants, divine six enfants tout là-dedans, an na'bud al-asnam afin qu'il nous pas ado en l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et là-dedans, Nijman, en même temps, pourtant, il y a un Abu al-Anbiya, alayhi salam. Ibrahim l'appelait papa de man Anbiya, alayhi salam. Cela vit en entier montré sacrifice. Nous l'expliquons dans Hajj, la leçon Hajj. Écoute, leçon Hajj, sacrifice femme Ibrahim, alayhi salam. Alors, ok, pas de commentaire, pas trop faire commentaire. Écoutez. Écoutez, absorbez, comprends. Demande à Allah, doit de nous compréhension. Deuxième affaire, Ibrahim peut demander doit qu'Allah tinili ferme l'eau salat. فَإِنَّ الْعَبْدَ يُنَاجِ رَبَّهُ Parce que quand il est dans le salat, il est en dialogue direct avec son Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu. C'est ça qu'il m'a expliqué. Alors, dans le deuxième point qu'il m'a expliqué aujourd'hui, c'est que quand aujourd'hui, dans la communauté, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ma question. En même temps, Alhamdulillah, mon père, je ne sais pas si vous connaissez, moi, je suis spécialiste dans la qualité, moi. Moi, je suis spécialiste dans la qualité. Moi, j'ai un FMBA qui appelle un Force Master d'administration. En même temps, j'ai un Lead Auditor Certified américain. En même temps, Canada. Et dans notre travail, en tant que Quality Consultant, j'ai déjà fait consultant dans la qualité. Là-dedans, quand il y a un problème sur Azir, nous avons besoin de la cause principale du problème. Alors, dans résoudre un problème, nous avons deux niveaux. Nous avons trois niveaux dans résoudre un problème. Premier niveau, c'est arrêter le problème là tout de suite. Ou robinet cassé, alors nous sans robinet là. Seulement qui fait robinet là peut casser, nous avons le droit de raison qui fait robinet là peut casser chaque fois. Ça appelle ça ce root cause analysis, RCA. Là-dedans, nous allons redire qui raison principale, monastère, c'est ce qui pas bon, monastère dit bon, il a trop beaucoup de pression de l'eau, non, il est installé, il est mal installé, alors, ça appelle ça, rod la raison principale, le cause principale de sa problème qu'avait le robinet cassé. Quand Azor dit, nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons faire sijda, pire sakibi, l'anglais qui, le plus grand débatteur en ce moment, il vient l'exemple de débatteur pour prouver doua vers un autre apport à Allah. Il peut réciter prouver. Nous ne pouvons pas répondre. Personne dans le monde ne peut répondre. Pire Sakibi, Chami d'Angleterre, ne peut pas répondre. Il peut réciter prouver qu'il y a un droit de demander doua direct avec Mera Pire de Sagir, Touhi Hamkakarho, Touhi Berapar, Karoto Mera Beraparho. Il peut montrer ça. Et lit dans vidéo, vision, son et vidéo, il fait trois qualités doit d'un seul travail. Premier, il demande Allah doit à travers Gharib Nawaz donne nous. Après, il dit oh Gharib Nawaz, demande Allah doit pour nous. Après, il dit oh Gharib Nawaz donne nous. Il fait tous les trois en même temps. Il fait tous les trois en même temps. Et tous les trois là, c'est-à-dire, besoin de faire évitage. Et lui, il permet une semaine prêt pour prouver ça. Pas bien qu'à répondre, pas vrai? Seulement, ça même Jimoun là, quand il peut assiser, Jimoun il fait 6 da pour lui. Dans sa présence, il peut faire 6 da pour lui. Moi, ma question, je n'ai pas envie de discuter avec PS, je n'ai pas envie de faire révitation. Moi, j'ai envie que la masse générale dans l'île Maurice demande comment se pose question, comment se comprend. C'est ça. C'est tout. Et nous ne pouvons pas dire PS, nous ne pouvons pas juger PS qui est mouchirik, qui est dans le shirk, non. Seulement, nous pouvons expliquer ce qu'il y a dans le Coran et dans le Sunna. Alors, moi, ma question que je me posais, comment il arrive Ghore Baba? Je connais qui appelle Ghore Baba? Vanti Seval là-bas, Vanti Seval. Tout le monde qui allait prendre Tiseval pour faire Tabarouk. Ben, tu vois? Alors, dans Ahbash, Manaminen Athar, dans Masail Imam Ahmed, qui écrit par Abdurrahman bin Imam Ahmed, Rahmatullah alayhim al-Jami, qui a un droit fait Tabarouk. Tabarouk veut dire Ghod Barakat. Avec mon athar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, avec mon l'effet personnel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Bukhari, il y a un hadith, c'est vrai, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un hadith là. Personne de mon ulama pas dénié tabarouk, bi athar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Personne pas dénié sa action. C'est moi ça tabarouk là, c'est-à-dire. Alors, il y a un nous, les temps nous prenons ça, nous expliquons tabarouk, après nous disons non, mais nous gagnons droit à faire tabarouk avec mon aulia. Nous sommes sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous venons l'aulia. Les temps nous venons l'aulia. À la Saint-Coula, quand Kabar Ghore Baba dans Lahore là-bas, tout le monde qui arrive à Genti Seval à la case. Je connais qui répond, ben savant, vous dites, mais nous avons déjà fait ça. Nous avons déjà
Zamen nous dit qui gagne droit faire ça. Quand nous dit gagne droit faire ça, nous pas dire gagne droit faire ça nous. Mais quand on mat une tombe dans sa problème de sidda prendre l'autre porte Allah. Doua prendre l'autre porte Allah. Tawaf prendre l'autre porte Allah. Zaba prendre l'autre porte Allah. Quand on mat une tombe là, qui sont raison qui n'amène vers ça? Comment il vient vers ça? Il vient pas lui même ça? Il vient pas lui même? Quand enfant Adam alayhi salam, je n'adopte idolâtrie, ouad, wassoua, yaroud, yaroud, nas. L'in vin paraît un seul coup. En coup de mazik, cinq idoles, il paraît. Manjimoun, il commence à ado idole. Non, il passe par une procédure. L'in passe par une procédure pour Shaitan, pour Victor, l'eau, ban six enfants de Adam, alayhi salam. Fini une procédure qui Shaitan, il établit. Ou avant, il pour Victor, l'eau, ban six enfants de Ismaïl, alayhi salam. Pour qu'ils ont adopté l'idolâtrie. Et divinité, et l'autre divinité apporte Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Allô? L'état nous guette dans sunna, nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam, tout ce l'enseignement, il ferme sa main l'apôtre là. Tout l'enseignement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ferme l'apôtre qui capable en zou shaitan servi. Écoute, nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam, ce traka, ce shafaka, c'est un petit hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, bouyina lakum. Tout qui chose qui prend mes ma yuqarribukum ila al-jannah wa ma yub'idukum anin nar qad buyyina lakum rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qad buyyina lakum on nous référence rasoulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dit c'est pour ça que comment nous pouvons faire débat comment nous pouvons débattre nous pouvons débattre ou pour amener moi un prêtre qui est Ibn Hibban dans, je sais pas, 300 Hijri, quand il y a un problème, il y a un code kabar pour demander du'a, ça, comme ça, nous dîmes pour baser là, ou ça, vous dire, mais vous pliconnez Ibn Hibban, mais peine à pliconnez, pas pliconnez là-dedans. Peine à pliconnez, pas pliconnez là-dedans. Et là, sunna ou bien pas sunna. Oui, on amène hadith Uthman Ibn Hanif, nous a dit, et en wedge, ça aussi, une explication. Ça aussi le tawassul. Pas le demande du'a avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Pas le demande du'a avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam après qu'il n'y ait du dunya ni n'allé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit قد بين لكم ما يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit clarifier pour eux toutes les choses qui vont amener eux avec Jannah et pour éloigner eux avec Jahannam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allô? C'est à partir d'aujourd'hui, c'est Saman Hadith là qui nous pouvait dire. Right, écoute premier Hadith. Dans Sunan Abu Daoud, Hadith 2040. Dans Hadith 2040, dans Sunan Abu Daoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lui dit قال رسول لا تجعلوا بيوتكم قبورا كينجا باليزوت لا كاز فينكما قبرستان باليزوت لا كاز فينكما قبرستان ولا تجعلوا قبري عيدا نبال اسم قبر فينن بلاس كي عيدا بيجا عاد يعود qui comment dire, je te fais ban frequent, en jimoun, li fais ban frequent, visite là-bas. Pas de si vous une place que, non, mais une seconde. Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam alors, n'a pas les autres la case vin comment dire en maqbara pareil comme on dit mon mot alors, fais les autres la case fais salat des autres la case il y a lié Coran des autres la case il y a hadith il y a lié Coran des autres la case right, là. Ensuite il dit wala taj'alu qabri ida n'a pas fait deviner comment dire le mot id ici veut dire qui comment dire en place que cinq fois par jour je peux venir là-bas. Tous les 10 jours, je peux venir là-bas. Non.
Ensuite, il dit qu'il fait le bizarre, fassal, wassal, alayya, fa inna salatakum tablouni haythu kuntum. Alors, n'importe qui côté les autres étaient, envoie les autres salat ou salam, là au moins, envoie les autres daroud, là au moins, fa inna salatakum, les autres daroud, les autres salat, qu'ils envoient salat ou salam, tablouni haythu ma kuntum. N'importe qui côté les autres étaient, les être présentés devant moi, les être. Une procédure de recevoir, de réception qui a l'un placé pour recevoir sa man, sa man de ron et bout qui côté ce tété. Qui veut dire ce hadith là? Qui fait ça? Qui fait un ce hadith là? Qui l'occasion que Rasoul Mizan dit Wala taj'al qabri ida? Dans notre hadith, Allahumma avani ki dunya yale, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit La taj'al Allahumma li bidemandu avec Allah. Avant que la dunya y aille, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma, oh Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, n'a pas les mots muqabar, muqabar, vinan wathan. En wathan, c'est n'importe qui forme de monument qui est adoré, qui n'est pas idole. Parce que wathan, ce n'est pas sanam. Tout sanam, c'est wathan. Mais tout wathan pas sanam. Quand on dit un jour, on peut ado au pied. Comme on dit dans le Koresh Makkah. Quand on ado au pied, alors, on ado au pied. Mais quand on ado au pied, pied, ce n'est pas un idole. Appelle-le wathan. Idole aussi capable d'appeler wathan. Créer là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait le bidja Allahumma, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ensuite, il dit, la'anallahu. قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا C'est hadith là bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma, avant qu'il dunya y aille, la taj'al qabri, n'a pas l'ismu qabar, wathanan vinan wathan yu'bad, ça veut dire qui pour faire ibadat. Et connaît que Rasul veut dire en place pour jimoun faire ibadat. Écoute bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lit, pour lui ibadat, c'est pas juste namaz, roza, hajj, zakat. Dua c'est ibada. Dua c'est ibada. En l'obéissance totale c'est ibada. Alors, Rasoul Sam Kabedia parle de ça, il y a une place que Jimoun établit ibadat. Côte sa kabar là. Pousse sa kabar là. Ensuite, il dit Ishtedda ghadabullahi ala qawmin. Allah se collait une dure si, une dure envers un qawm. Ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Qui fin établir kabar de Zuban anbiya. Masajida comme masjid. Et il y a plusieurs explications qui veut dire comme masjid. Soit on met masjid là où là, on fait namaz, ou bien je dirige cette namaz vers sa kabar là, ou bien je établis ibadat côté sa kabar là. C'est clair? Mais qui fait un asadi hadith là? Un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fait là? Là, on donne deux hadiths. Premier hadith, nous dit Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, nous fin dit La taj'al qubura buyutakum qubura. N'a pas les autres. La case, vin kuma maqbara. Ma dina man jimoun mo, pina action, pina ibadat, pina n'ayin adon. Ensuite, ninja, wa la taj'al qabri ida. N'a pas les mots qabar, vin en place kod man jimoun, zut fait man frequent visite. En jimoun ni fait frequent visite là-bas. Pourtant, visite rawda rasoul sallallahu alayhi wa sallam, thabit, yen sunna. Mais pas les si vin en place kod. Ada Yaoud, je te retourne vers là à chaque fois. Qui fait? Qui fait ça? Right. Un hadith. Deuxième hadith, nous disons, Rasul Sahim dit, La taj'al, Allahumma, avant qu'il dunya y aille, La taj'al qabri, wathanan yu'bad, comme on dit, vienne place un édifice de prière, ishtadda ghadabullah, Rasul Sahim dit, qui Allah se collait une juessie à la qawmin contre une communauté qui fin établir kabar de Zoban Ambiya comme masajid. Comme masajid, ça dit. Numéro 3. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari dit dire La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in.
حتى ولو دخلوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول اليهود والنصارى قال فمن ça a dit tellement fin c'est plusieurs fois pendant sa leçon là que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui vient de nous une information avec certitude d'ailleurs هو صادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم c'est صادق الامين الذي place responsabilité وحي له لي للامين للصادق للصديق لي فين dire définitivement je te poursuive pas coûte par coûte ban communauté précédent ban communauté précédent qui veut dire suivre pas coûte ça veut dire autre façon de faire autre tariqa qui m'a faire façon que je n'amène autre dîne ne vous suivre maintenant pas façon que je n'amène autre iman façon que je fais hila je fais une bypass sharia essaye bypass sharia Allah de autre époque Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Bukhari, il peut dire, la tête tabi'unna, définitivement, je peux suivre, sanana man qablakum, tariqa ban avant eux, principe ban avant eux, façon qui banana man zut, din ban qui avant eux, pas coude par coude, coude par coude. Hatta walau dakhalu salaku juhara dhabbin, la salaktumu, jusqu'à qui même, c'est comment dire, banna, il rentre dans le chemin qui amène dans la case de Bob, les arts du désir, alors, je peux suivre maintenant. من صحابين جاء قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى اسكي تبي جاني بسويف من يهود اك من نصارى رسول صلى الله عليه وسلم جاء فمن الو بكي سنة الو أبوال بنا ça veut dire quand man qui pré communauté précédent je te fin d'arriver dans ce din je te fin perdu devant man piège qui shaitan il mettait pour je tombe dans sa man piège là et man piège là mon fini expliquer mon explique quelques man piège conceptionnel qui man yahoud et man nasara in Il tombe dans le piège shaitan jusqu'à qu'ils ont dit Isa alayhi salam, Allah, ils ont dit Isa alayhi salam, Ibnullah, ils ont dit Isa alayhi salam, Thalith ou Tharatha, ils ont adopté Isa alayhi salam comme ilah min dunillah. Et son maman Maryam. On finit d'expliquer ça. Alors, quand Rasoul sallallahu alayhi salam ici, il peut dire Alors, prends précaution, définitivement, je te poursuis. Quand il peut donner sa hadith là, il peut donner sa hadith là pour qu'il nous prenne précaution à chaque fois qu'il nous trouve une déviation de ma communauté précédente. Alors, qui est arrivé, qui nous pas fait lire, nous pas fait comme un autre. Alors, Inch'Allah, demain, bi'idhnillah, nous pouvons continuer examen à hadith, beaucoup à hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins ferment tout ban la pote, qui shaitan capable servir pour piège ce ummat pour tomber dans le shirk. Mais question à poser, me repose sa question, est-ce qui, quand Azodi, dans nos ummat, finit n'a dit moun peut faire tawaf, Fait un jumon peut faire sisda. Nous n'êtes pas venus nous dire à la Hazrat India, pas qu'un droit fait tawaf. À la Hazrat India, pas qu'un droit faire sisda. À la Hazrat India, pas qu'un droit ça. Oui, à la Hazrat Rahmatullah Alayhi, India, pas qu'un droit. India, pas qu'un droit. Mais qui fait, il arrive ça. Comment il arrive jusqu'à là? Qui l'éducation qui amène jusqu'à là? Nous faisons sens à l'éducation qui peut amener jusqu'à là. Nous faisons ferme ça, banna pote là. Nous faisons ferme ça, banna pote là. Où ça nous pouvons venir? Nous pouvons dire Ibn Hibban, un grand alim hadith qui n'écrit kitab al-thiqat, alors lui, quand chaque fois il est dans un problème, il dit à côté de Qabr Ali ibn Moussa, écoute ça là, c'est mon amour, il dit ça, il dit ya Allah, ben dis-moi un papier qui parle à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça sunnah du Habib sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui Ibn Hibban peut faire? C'est qui Ibn Hibban peut faire? Ça c'est sunnah du Habib sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons là-dedans, c'est pas Ibn Hibban, il fait rire, il n'a pas fait rire. Ibn Hibban, il rend son compte que Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Mais nous, ce qui nous questionne, nous poser, est-ce que c'est ça, l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui Ibn Hibban, il fait, qui à chaque fois qu'il y a un problème, nous allons retrouver un jumon de pied, nous allons côté là-bas, côté sa kabbala, ensuite nous dire, oh Allah, secours-moi, oh Allah, protège-moi, oh Allah, enlève sa divinité qui m'a été là. Ça, c'est l'enseignement du Coran avec Sunna. Ça, c'est l'enseignement. On peut poser des questions. Si ça, l'enseignement, ok. Oh, pas l'enseignement du Coran avec Sunna, ça. C'est moi, Ibn Hibban, il fait rire. Mais Allah connaît. Allah connaît. Allah n'a pas de lien. Pas connaît qui n'est arrivé. Nous, pas connaît qui n'est arrivé. Ibn Hibban qui vient faire ça. Et seulement dans sa même preuve là, Ibn Hibban, pas dire, moi, je demande toi, oh Allah doit par wasila Ali bin Moussa. Il n'est pas dire, oh Ali bin Moussa, moi, j'ai un problème, je demande Allah doit. Et il n'est pas dire, Ali bin Moussa, arithni. Ya Ali bin Moussa, arithni. Molé qui m'a fait copier ça trois points qui m'ont dit là. Quand Ibn Hibban, dans le Kitab al-Thiqat, une riwayat peut montrer qu'Ibn Hibban, à chaque fois il y a un problème, il y a le côté Ali bin Moussa, côté un kabar de haine, ben pieux, ben petits enfants de Rasoul Sassalam, ben ou le man j'ai pieux. Quand, basé, j'ai dit les thiqats. Quand, je ne vais pas dire pieux, j'ai dit les thiqats. Quand, il y a là-bas, est-ce qu'il dit, oh Allah, par l'intermédiaire, voici là, Ali bin Moussa de moi? Non, il n'y a pas fait ça. L'India, oh Ali bin Moussa, demande doua pour moi, il n'y a pas fait ça.
Oh, Ali bin Musa, moi, j'ai un problème. C'est moi, j'ai un problème. Li ben fait ça. Qui l'a fait? Oh, Allah. Oh, Allah, moi, j'ai un problème. C'est moi, j'ai un peu de travail là, tout court. Si nous arrivons, récit fait ben musulman. Arrête faire ça, trois actions. Fais comme Ibn Hibban, les tu peux bon. Mais les tu peux bon. Tout problème fini, tu as mis l'âme, tout problème fini. C'est moi, là, nous avons un autre problème. C'est ça, le rodé, c'est là qui dit mon pieu. Comment prouver ça, dit mon pieu là? Comment prouve ça? Qui c'est là qui donne ça, certificat du mon pieu là? Pour qui ça fait définition du mon pieu? Qui c'est là qui est aulia Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le Coran, il dit, dans le Sunnah, il dit. Pas vrai? Claire? Moi, j'espère que les clés, Inch'Allah. بإذن الله دائما نغاكونت إن شاء الله نبيا 15 نبيا 20 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.